seconde année vient d'abaisse, l'élève du prophète soit les hirondelles. En troisième année, électricité, cycle court, le cycle long de base. Ici devant nous, nous avons un schéma de commande, des moteurs à 50 phases, des tasses de marche. Alors, je pense que je peux quand même essayer de vous expliquer comment fonctionne ce schéma de commande. On peut commander ou démarrer un moteur à 50 phases pour lutter contre le courant de démarrage qui est en étage. Parce qu'un moteur à 50 phases, le courant de démarrage est 8 fois courant nominal. C'est pour cela qu'on a essayé de faire notre schéma avec les prestataires pour essayer de limiter le courant de démarrage. Pour que le moteur soit un bon état et un bon indicateur. Ça, c'est le contacteur de la marche avant. Ça, c'est le contacteur de la marche arrière. Nous avons les relais de protection thermique. Nous avons les relais de protection thermique qui va nous aider à lutter contre les chichages ou bien les courants et les pieds. Ici, nous avons les relais. Ici nous avons les boutons poussoirs. Les boutons poussoirs normalement fermés qui va nous aider à arrêter les moteurs. Si on vient arrêter les moteurs par exemple, on est parti vraiment tout droit vers la source, on va seulement appuyer sur ces boutons ici et le moteur sera arrêté. Ici nous avons les descentes, et maintenant les descentes qui marchent. Ici nous avons la signalisation. Une lampe pour la marche en bas, une pour la marche arrière et l'autre pour la la base, c'est qui sera monté à série avec les boutons poussoirs normalement ouverts et l'arrêt. Automatiquement, après ça, ça va aller dans les premiers contacteurs. Là-bas, ça va passer d'abord dans les boutons poussoirs 1-1. Qui est ça? Les boutons poussoirs qui sont là, si on a choisi la marche là-bas dans le temps, on peut essayer. Et la marche en bas, ça va. Et si nous voulons passer à la marche arrière, automatiquement, nous devons d'abord rappeler ici si le bouton nous donne normalement ouvert afin d'arrêter les moteurs. Et nous choisissons maintenant la marche arrière. Donc, le bouton pour de la marche arrière, c'est ici qui commande les potentiels de la marche arrière. Si on fait ici, nous appuyons par exemple, cette lampe ici qui nous signale que les moteurs tournent déjà à la marche arrière. Là, on fait les choses justement comme ça. Et si on va encore rentrer à la marche avant, nous allons passer encore ici afin d'arrêter les moteurs. Et nous rentrons encore ici. Nous appuyons sur ce bouton ici. Et le moteur sera commencer à tourner à la marche avant. C'est ça le système de schéma de commande. Ça, c'est le schéma de commande. Des moteurs à ce qu'on peut passer. Le moteur est un peu. C'est ça? Le moteur à question, c'est ça. C'est là où c'est le cas ici. Je vais vous montrer à tout le monde.